Bastia 18e reçoit Sochaux 3e. Des Sochaliens qui restent sur une victoire après 2 nuls et 2 défaites. Les Lionceaux occupent donc toujours le podium de la Ligue 2 BKT. Ils vont essayer de faire un résultat en Corse, emmenés par Weisbeck, Mauricio et Kaloulou. Bastia de son côté reste sur une défaite après 2 victoires et 1 nul. Ça s'est un petit peu amélioré, mais Bastia est toujours dans les 3 derniers du championnat. Premier mouvement intéressant pour Bastia. Le ballon est contré par Janin qui garde le but de Sochaux. Mais ça revient sur Christophe Vincent. 1-0 pour le Sporting Club de Bastia à la 28e minute. Il y a beaucoup de réussite pour Vincent. Il croit que l'action est terminée, mais le ballon lui revient dessus. Il n'est pas en jeu et le but lui est bien attribué sur le tir de Roncalia. Premier but en Ligue de BKT pour Christophe Vincent. Ça fait 1-0 pour le Sporting. 2-0 même à la 35e minute. Ce but-là est beaucoup plus clair. Santelli à la passe, Idriss Saadi à la conclusion. 3e but de la saison pour Saadi. Bastia fait la différence. Belle efficacité de l'équipe corse. Sochaux s'est fait surprendre. Les joueurs de Mardaf n'y sont pas. Et Bastia mène 2-0 à la mi-temps. Très bon comportement des joueurs locaux. Ils ont fait ce qu'il fallait pour cette jugée une victoire qui serait extrêmement précieuse contre une équipe du podium du championnat. Sochaux doit revenir avec d'autres intentions en seconde période. Mais Bastia continue au retour du vestiaire à avoir de bonnes situations avec ce tir. Même s'il n'est pas assez convaincant et assez dangereux pour battre Mehdi Janin. Sochaux trouve enfin quelques solutions. Un ballon dans la surface. Un contact et le pénalty en faveur des Sochaliens. Voilà l'occasion de se relancer. 67e minute, Aldo Kaloulou pour ce tir sur la barre transversale. C'était l'occasion de réduire l'écart et de se relancer avec suffisamment de temps ensuite pour égaliser. Mais Kaloulou manque son tir, il ne parvient pas à cadrer ce pénalty. Nouvelle action pour Sochaux avec ce coup franc. C'est tiré au-dessus. Les minutes s'amenuisent et Bastia semble se diriger vers la victoire. Attention à cette balle récupérée par Sochaux. Une contre-attaque possible. Aldo Kaloulou est bien lancé. Il va beaucoup plus vite que le défenseur. Kaloulou, dans un angle un peu fermé, réussit cette fois-ci à marquer. Il rattrape un petit peu son échec sur pénalty. 5e but de la saison pour Kaloulou, bien lancé par Gaëtan Weisbeck. Il n'y a plus que 2-1 en faveur de Bastia. Il y a donc du suspense dans cette fin de partie. Quelques minutes à jouer encore. L'action en faveur de Sochaux et ce tir victorieux de Rasoul Ndiaye. Le 2e but cette saison de Rasoul Ndiaye. 87e minute, c'est cruel pour Bastia. Le ballon ne peut être sorti du cadre par Vincent Zini. Terrible pour Bastia, mais Sochaux s'est arraché en fin de match pour aller chercher le point du nul. Bastia menait 2-0 jusqu'à la 79e minute. Mais il y a bien match nul à l'arrivée. 2 buts partout entre Bastia et Sochaux.